Bonjour tout le monde, c'est Rix Project, on continue Elden Ring, toujours aussi pépère, et on va aller farfouiller là où il y avait une porte, non loin de Stell. Ah ouais, quand même assez grande, hein, faut l'avouer. Alors, j'ai changé d'arme vu que je pouvais prendre une autre épée. Le problème, c'est que je pèse un peu plus lourd. Et disons que la frappe... Ah ! La frappe est un petit peu plus lente également. Bon, bref. On laisse tomber les insectes. Et on va voir quel est cet endroit. À deux mains, SVP. Catacombe de l'Empaleur. Oh, j'aime pas vraiment le nom de ça. Oh! Ce qui est bien, c'est qu'il faut bien que 4 coups. Ah d'accord, il a sauté dans le vide et il est mort comme un caca. Voilà! Est-ce que ça s'ouvre? Non, verrouillé par un mécanisme. Oh, génial! Super. Oh, regardez ce qui se trouve là au bout. Allez, amène-toi. Come at me. Aussi, c'est que j'ai une plus grosse allonge, ce qui m'arrange pas mal. Ok, ils font toujours aussi mal, les salopards. Tu me lâches, saloperie, sérieux quoi. Oh, mais c'est une horreur ces trucs. Ce sont des mobs de merde et pourtant ils sont lourds dingues. Ne dites pas qu'il y en a plus. Il y en a encore un là. Easy. Oh, fouiller le corps. Pierre de forge. C'est tout. C'est quoi cet endroit? J'ai l'impression d'entendre un qui roupille quelque part. Sans venir la cacahuète. Ah! Là! Oh, les salopards! Ils sont semblants! Ils font semblant, ces salauds! Menteur droit devant. Muguet mortifère. Ok. La statue est glauque. Mais y'a rien dans cette pièce. Non, y'a un truc qui cloche là. Alors apparemment, par contre, j'ai pris 2-3 renseignements, je me suis dit c'est bizarre, des murs cachés, enfin des passages secrets doit y en avoir. Mais apparemment il y en a où il faut certains types de capacités pour les faire apparaître. Chercher bas. Pas en arrière probable et donc chercher trou. Ah! Ouais,
C'est quoi ce délire? On est d'accord que c'est un piège à con. Ah ok, d'accord. Salopard. Ça redescend pas juste en bas, on est d'accord aussi. Bien. Que ignorer soit. Muguet fantomatique. Tout ça pour arriver dans une zone avec des cadavres ambulants. Oh, cool. YOLO! Ah ok, il y en a infini. Je sais pas ce que c'est. Caboche causante. Au secours. Ah d'accord. Je sais pas ce que c'est. Il est mort de quoi lui? Wow, 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 wow. Il y a un peu trop de monde ici, hein. Allez, grimpe, 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 grimpe. Vite. En espérant qu'il me lâche. Porte d'entrée ouverte, parfait. Mais c'est gauche. Oup. Attention à gauche. Ouais. Mais cet endroit est chelou. Je suis revenu à l'entrée, cool. Ah, ça c'est moins cool. Monstruosité. Essayer d'élimination coup par coup. Tout d'abord, elle me fait. What? Ah. Bon, par contre, c'est ouvert donc je peux y aller quand je veux. Wow. Ah ouais d'accord, ouais non, oh il y a des ads qui vont me gonfler. Et il y a ce machin de gauche, d'accord. Les ads vont me gonfler. Donc mes mots, utiliser les loups et essayer de se débarrasser du coup des ads d'abord. Ah, lui il est tombé. Lui aussi. Oula, doucement. Mmh.
Ouf. Ouais non, les ZAD sont un sacré problème. Non, 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 non. Dernière fiole. Oh. Oh merde. Oh. Cendre semi-humain. Oh la va. Oh la vache. Wow. Oh genre, j'ai eu chaud aux fesses là. Wow. Il n'y a rien de plus dans le coin. Wow. Voilà. Alors ça, c'était sympa comme boss. Franchement, enfin, petit boss. Mais les ZAD, c'était une horreur. Allez vous faire foutre avec vos ZAD de merde là, sérieux ? Tourner à l'entrée. Oui, j'ai une invocation de plus. Yes! Et donc, je vais pouvoir changer la marque sur la carte. Oui, maintenant, je mets des... Maintenant, en plus, je vous allez voir. Je mets des marques sur les cartes. On va se TP à l'église des pèlerins. On ira voir. Désolé, là j'ai un truc dans la gorge. Montée de niveau, c'est pas encore pour tout de suite, hein, soyons honnêtes. Voilà, donc je disais, maintenant, là où j'ai fini la grotte ou quoi, je mets une petite icône de tête de mort pour dire que c'est fini. Donc là. Catacombe de l'Empaleur, voilà. Tatis, ok. Allez, torrent, mon fidèle coursier. Ébé de sorbier. Ça prie, alors c'est droit devant dans la plaine en contrebas. Pas exactement dans la plaine, il me semble que c'est sur le côté par ici. Non. Par là. Derrière le pilier. Hop là. Les catacombes du Valot tombent. Race évanouie découverte. Hop, on peut désactiver
Ça. Ah. Il me faut des clés pour aller plus loin. C'est ça? Attends, t'essaies... C'est avec des squelettes, mais non! Oh, ça va être relou. Ah, ça pourrait être pire, hein, mais... Ouais, faut c'est chaque fois par mécanisme. Alors, ils sont quand même costauds, apparemment. Ils donnent pas grand chose en termes d'âme, enfin de runes. J'aurais utilisé des contondants en fait, vaincre ce machin, mais. Oh! Bah, leur équilibre, par contre, c'est pas ça. Ça, ça m'arrange. Parce que j'entends, il y a un piège dans ce spam. Ouais, ils ont vraiment un équilibre de chien. Donc ça va, c'est gérable. Tu te relèves pas, merci. Est-ce que ça peut dégager? Oui, merci. Combien de temps? Ça, c'est la grande question. Zut, j'aurais pas dû la boire. Tout ça pour une tête. Yes. Bah, et il tombe en bas, donc ça, c'est good.
Je le sens tellement pas cet endroit. Vas-y, tire. Mal timé. Touché. Faut juste que je trouve la... Y'a quoi ici du coup? Y'a rien. En fait, il faudrait juste que je trouve... Ah, c'est par là. Le levier. Non, la porte est ouverte quelque part. Normalement, c'est là-haut. Des champignons. Buguet. Voilà, la porte ouverte ici. Que demande le peuple? Mais je suis curieux, est-ce que ça vaut le coup que je claque une dague ici? On va en utiliser une, allez. Voilà. Manuel de guerrier nomade. Tout ça pour ça? C'est foutrement sérieux, j'ai claqué une pierre, une clé pour ça. Bon, pas grave. On va se soigner complètement. Je sais pas pourquoi, je sens vraiment pas cet endroit. Je veux dire, le boss qui va s'y trouver, ça va être relou. Ça va sûrement être un chieur de première. Oups, pas par là. Invocation, il y a, comme d'hab. Ah! Ouais, le mob là-haut bout. Ombre du cimetière. Wow, wow, wow! Wow, wow! Ouais, ah, oh, wow, wow, wow! Ok. Par contre, c'est une chips, hein. Lutel, là, c'est fa... Oh, j'ai gagné une belle invoque, j'ai l'impression. Ok, je crois que j'ai plus trop à me soucier de certains mobs. Tellement les loups font le café, là. Racine de racine, allez, on retourne à l'entrée. Oh, mais je chope de belles invoques là tout doucement. Ça c'est cool, ça. Ça va faciliter le boulot. Mais du coup, il y en a une autre où j'avais ouvert là. Donc là, est down. C'est où que j'avais une porte ouverte? C'était pas là? Catacombe des honneurs, je sais plus.
Allez, on va essayer de se le faire. On va se faire. Si on peut se faire les trois comme ça, c'est cool. J'avais ouvert une porte là, il me semble. Je me repose. Est-ce que j'ai assez pour monter de level? Oui! On va augmenter encore la force. Et on va regarder ce qu'on a. Donc, les invoques. Donc, on avait ça. On a ça. Invoque l'esprit de 5 semi-humes. Relativement petit, il n'en demeure pas un violent agressif. Ok. Cendre les joues. Ok. Esprit d'une chevaleresse sans tête qui dirige les soldats du mausolée, manie une lance chargée d'énergie mortifère et jette des lances spectrales à ses ennemis. Lui-t-elle offrit sa vie pour continuer à défendre un demi-dieu dépourvu d'âme en attente de sa résurrection, même après la mort. Cet acte lui valut l'insigne honneur d'une sépulture au pied de l'arbre monde. J'ai une fucking invocation légendaire, quoi, si je comprends pas. J'ai 100 points légendaires. Ouais. Ah, toi, tu vas avoir une place. T'as droit à une place. Hein. Alors, le chien sauvage putréfié, je l'aime beaucoup. Qu'on soit bien d'accord, hein. Il est vraiment bon. Mais la méduse, j'ai pas encore testé, tiens. Faudrait que j'essaye. J'avais ouvert hein, la porte, on est d'accord. La porte était ouverte. Go 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 ninja go. Ah, je peux pas lui. Elle, je peux pas. J'ai pas assez d'énergie. Wow, 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 tout doux. C'est quoi ce mec qui enchaîne les combos? Ça. Allez mes fidèles chiens. Ah il a un grab le salopard. Mange ça. Ce harcèlement en règle. Ouais. Ok, je suis chaud. Marteau de guerre. C'est bon, je suis chaud là. Là, je suis chaud. Mais donc, j'ai pas assez pour l'invoquer, celui-là. Attendez, il va falloir que je regarde. Hein. C'est... Coup en PC 104. Ah, d'accord. J'ai pas du tout assez. Alors, je vais essayer les squelettes. 44... 69, c'est trop. 35, 31, 55, ça bouffe beaucoup, 69, je saute. Ok, il faut que j'augmente ma magie. Enfin, mon mana. D'accord. Ok. Mais ça devient, ça devient intéressant, là, du coup. On commence à avoir des trucs sympas. Donc ici, on peut dire que c'est torché également. Ça va être les catacombes orageuses, alors la prochaine étape. Mais je crois plutôt, j'aimerais vraiment me faire le cavalier crépusculaire. Mais je suis pas sûr que ce soit intéressant, donc là, on va s'en tenir là. On vient de se faire 3 donjons. Moi, je suis plutôt content. Je suis à 2000 runes, donc les prochaines... Attendez, j'ai combien de... 71, ah ouais.
Je suis vraiment short en magie, quoi. Enfin, en mana. Bon, on verra ça pour la prochaine fois. Voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère que l'épisode vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao.